Salut Télélouveteau, ce soir on se fait un petit trip sympa, on se fait une petite quiche Lorraine revisitée parce que voilà, il va y avoir quelques changements hein, par rapport à la quiche Lorraine traditionnelle. Cela dit, ça va être très bon quand même. Allez, on y va. Alors pour cette quiche, nous aurons besoin d'une pâte feuilletée. Voilà, pur beurre bien sûr, sans colorant, sans additifs et surtout sans huile de palme. Mais bon, si elle est pure beurre, elle est en théorie sans huile de palme. Nous aurons besoin de 3 œufs. Voilà. Nous aurons besoin de lardons, d'oignons ciselés, de persil et de ciboulette ciselées, de 100 g de gruyère râpé, de poivre, du poivre de moulin, 25 g de beurre, un peu de sel, de Guérande et de la crème fraîche. Ça va de soi. Bien sûr entière. Dans cette recette, nous allons nous servir aussi de vin blanc. Alors, dans une poêle, nous allons faire chauffer notre beurre. Alors, une fois que notre beurre est fondu, on peut envoyer nos oignons. Alors, nos oignons sont devenus un tout petit peu translucides. On va en profiter et on va ajouter nos lardons. Je rajoute le sel maintenant, c'est-à-dire une petite pincée de sel de Guérande. Je poivre correctement. Je viens déglacer avec un peu de vin blanc. Voilà, je les mouille, hein. je vais même pas à hauteur, vous avez vu. C'est juste pour déglacer un peu, pour récupérer les sucs de cuisson. Et là, je coupe. Allez, on passe à l'appareil. On casse nos 3 œufs dans notre cul de poule. On y ajoute notre crème fraîche. On y met à peu près 50 g, c'est-à-dire la moitié de notre fromage râpé. Hop. On commence à mélanger le tout. Voilà, et ensuite on vient y mettre nos oignons et nos lardons. On mélange un peu le tout. Vous allez voir la simplicité de ce plat accompagné d'une petite salade, c'est l'idéal. On y dépose nos herbes, on mélange bien. Et là, tout simplement, on vient glisser le tout dans notre tarte. Voilà, on étale bien. Hein. On recouvre d'une couche de gruyère. Voilà, c'est juste pour que ça gratine un peu. Alors, normalement, dans la quiche Lorraine, il n'y a pas de gruyère. Je tiens à le préciser, les puristes sinon vont me faire la tête. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, c'était un peu revisité. Hein. On enfourne à 190 degrés à chaleur tournante pendant environ 30 minutes. Bien sûr, on surveille et on ajuste la cuisson. Et voilà, les louveteaux, mon four a sonné. Voilà, je ressors ma petite quiche. Une pure merveille. Je sens qu'on va se régaler encore une fois. Ça va être génial. Voilà les amis, cette vidéo touche déjà à sa fin et je vous souhaite un bon appétit bien sûr. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ce serait sympa et pourquoi pas de partager. Je tiens à remercier aussi sur les réseaux sociaux tous les administrateurs qui partagent nos vidéos parce que ça faut le dire, ils font un travail impeccable. Voilà, donc merci et bravo à vous. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, bisous les louveteaux.